Was it easy walking away? Was it hard when you found yourself outside? Il est 21h30, on vient d'arriver et ça change du Portugal, ça change de Lisbonne parce que ici il fait bien froid. Je crois qu'il doit faire moins 1 ou moins 2. Et c'est cool, les enfants sont contents parce qu'il neige. Donc voilà, on va aller prendre nos quartiers dans le Airbnb. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler du fait d'être comment faire pour être un super parent, une super maman ou un super papa. Alors évidemment, je mesure toute l'impertinence de ce propos puisque j'ai moi-même conscience de mes propres imperfections, bien évidemment. L'être humain, d'une manière générale, est un être plein d'imperfections. Et puis je crois que c'est aussi important d'avoir des imperfections parce qu'on montre aussi tout simplement à nos enfants que l'on peut faire des erreurs à tout âge, que c'est humain, que c'est pas grave et que ça se répare surtout. Mais bon, le sujet du jour, c'est voilà, comment être le mieux de soi. Comment donner le meilleur, parce que parfois c'est pas facile, des fois on a tendance à un petit peu baisser les bras parce que nos enfants sont des petits êtres tenaces, des petits êtres qui savent ce qu'ils veulent, plein de détermination et de témérité, et je pense que on a vite fait de se dire que on a tout raté quoi, qu'on n'y arrive pas, que c'est dur, que c'est mieux ailleurs, que on a vite tendance à voir le côté noir du tableau. Alors que je pense que c'est possible de le voir positif, en tout cas, je ne vais pas dire blanc, peu importe, mais en tout cas, je crois que c'est possible de voir les choses de manière positive et agréable. Il faut juste s'en donner la peine, il faut juste s'en donner les moyens. Et c'est un petit peu ce que je vais te dire dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un petit peu comment je fonctionne avec mes enfants pour voir toujours le côté positif, pour être toujours au mieux de moi-même, même si je sais que j'ai des imperfections et que je ne fais pas toujours tout bien, évidemment. Mais ce n'est pas grave. L'essence même du truc, c'est pas d'être parfait. C'est de vouloir l'être, de chercher à l'être. Et c'est tout le chemin que l'on va prendre pour y arriver à ça qui va nous permettre justement d'être au mieux de soi, d'être au meilleur de soi et de pouvoir transmettre le meilleur et de pouvoir faire en sorte que tout se passe bien, en tout cas au mieux possible, au quotidien. Alors selon moi, pour donner le meilleur de nous-mêmes, il y a 4 règles d'or, on va dire, je les appelle un petit peu comme ça, pour que tout se passe bien au quotidien et que j'essaye vraiment d'appliquer chaque jour. La première, c'est de lâcher prise, de se dire que quoi qu'il arrive, c'est pas si grave au final. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont plutôt embêtantes, mais à côté de ça, il faut aussi savoir en rire, savoir prendre du recul par rapport aux situations. Parce que sinon on reste trop enclavé dans son truc et on n'en démord plus. Et c'est ça aussi qui vient amener de la pesanteur, amener du stress et des choses inutiles et très négatives surtout. Il y a, parfois on a envie juste, en effet, d'être énervé sur le moment, mais au final, est-ce qu'on ne peut pas plutôt essayer de voir la situation autrement et de se dire que allez, c'est pas bien grave par rapport à d'autres choses et que voilà, ça va passer, peut-être que ton enfant il est juste fatigué, peut-être qu'il a faim. C'est souvent, il y a pas mal de choses qui partent aussi d'un besoin physiologique, donc la faim, le sommeil, d'être changé, même un câlin ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, ça vient vraiment d'un profond besoin et un petit rien peut, en tout cas une grosse tempête émotionnelle peut vite fait être déclenchée pour pas grand chose. Et le truc c'est que quand on est parent, et ben, c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on a besoin de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est dans ces moments-là que nos enfants, ils ont vraiment besoin de nous pour les calmer, pour rétablir la situation. Et nous, c'est souvent dans ces moments-là qu'on va tendance à lâcher toute la bienveillance qu'on avait mise en nous, en fait, parce que c'est les moments les plus durs. Et donc, dans ces moments-là, si j'ai envie de te donner un petit conseil, c'est bon, lâche prise. Ok, c'est pas facile à gérer, t'as sûrement 100 000 paires d'yeux braqués sur toi, mais ce qu'il faut faire, c'est arriver à rester focus avec ton enfant avant tout. Et puis voilà, te dire, bon, il a besoin de toi, soit c'est pas facile, soit, mais c'est pas grave, tu vas gérer, quoi qu'il arrive, de toute façon tu vas forcément gérer, et mieux ça se passera, et plus vite ça sera géré, parce que si tu commences à rentrer dans des trucs dans le
ben, si tu te fâches ou quoi que ce soit, ça va empirer ton enfant, ça va faire que venir empirer son stress, son angoisse, en tout cas son mal-être. Et toi, du coup, bah, tu vas être un petit peu déçu par la suite quand tu feras ton feedback, parce que tu te diras, bah, c'est pas comme ça que j'ai voulu être, je voulais tout simplement être rester bienveillante, et au final, ça s'est mal passé, j'ai pas réussi à tenir le cap. Donc voilà, prends du recul par rapport à ces situations-là, ça va vachement t'aider pour aller là où tu veux, en fait, tout simplement. Alors la deuxième chose, ça va être de se faire confiance. C'est vraiment l'un des points crucial dans la parentalité, surtout quand on a opté pour une parentalité positive et bienveillante, c'est-à-dire un petit peu à l'inverse de ce que font beaucoup d'autres. Et bien, je crois qu'il faut se faire confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Être persuadé qu'on est dans la bonne direction, que l'on fait le bien pour nos enfants, mais aussi plus que ça, ça s'étend au-delà du bien pour nos enfants, ça s'étend au-delà pour tout le foyer, pour la famille entière, en fait, parce que c'est un tout qui se joue quand la bienveillance s'installe dans un foyer, et bien elle ricoche sur énormément d'autres choses. Et voilà, et être persuadé que ce que l'on fait, c'est bien, c'est déjà être ancré dans son truc, dans son schéma, dans son chemin, et ça va vraiment permettre de pouvoir continuer à avancer sereinement. Parce que le doute, ça déstabilise énormément et ça vient en fait apporter énormément de choses très négatives. On ne sait pas si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Et puis surtout, eh bien, on peut aussi être déstabilisé par les autres, parce que le regard des autres, mine de rien, il est important. Et en tant que parent bienveillant, à énormément de moments différents, on viendra te dire de toute façon que ce que tu fais, ce n'est pas bien, que tu vas en faire un enfant roi, que tu es laxiste, que tu fais pas la bonne chose, que tu l'éduques pas bien ton enfant. En gros, que tu fais pas du dressage, enfin bref, on viendra forcément de toute façon te le dire, et ça, faut que tu en sois vraiment conscient. C'est pour ça que, voilà, être ancré, on va dire, de manière très stable dans ces deux baskets, eh bien, c'est la meilleure façon d'avancer, de continuer à avancer sereinement sur le chemin que l'on s'est fixé. La troisième chose, c'est de faire équipe avec son conjoint ou sa conjointe. On a trop tendance à l'oublier, mais les enfants, on les fait à deux. Et mine de rien, c'est très important qu'on puisse se passer le relais comme ça à un moment, quand il y en a un qui peut plus, et ben l'autre prend le relais. Alors évidemment, des fois, c'est pas possible parce que l'autre n'est pas physiquement là. Mais au moment où il revient, c'est pas grave si à l'instant T, il n'est pas là. Prendre sur soi, donc un des points que j'ai précédemment exposé. Mais après, au moment où le conjoint est là, et ben, on peut tout simplement lui expliquer et lui dire qu'on n'en peut plus et qu'on a besoin d'une passation du relais, parce que sinon on n'en arrive pas à garder la ligne de mire, la bienveillance et la positivité. Et voilà, je trouve que c'est important de savoir qu'on peut se reposer sur l'autre. C'est aussi important d'avoir un couple soudé et fort par rapport à cette parentalité, parce que mine de rien, les enfants sont des petits tsunamis. Et voilà, quand on sait qu'on fait bloc, quand on est à deux pour les gérer, et ben forcément ça se passe mieux. Et puis ça ressoude, j'ai envie de dire, le couple aussi, parce que c'est une sacrée expérience à vivre. Et quand on a un couple bien fort, bien soudé, et ben on arrive d'autant mieux à gérer les enfants. Et pour les deux, c'est aussi bien l'un pour l'autre, parce que c'est très important. Et enfin, le dernier point qui paraît primordial, essentiel à mes yeux, c'est l'information que tu vas glaner chaque jour. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de chaque jour aller chercher une info, obtenir une info, s'informer de quelque chose, prendre une connaissance, bref, peu importe. Il faut être sans cesse dans la recherche pour pouvoir avancer aussi et pour pouvoir garder aussi toute sa motivation intacte, parce qu'il y a des moments où on flanche, il y a des moments où c'est plus dur. Et le fait d'aller chercher tous les jours de l'info, ça rebooste, ça redonne confiance, ça redonne des ailes. Et c'est vraiment un exercice au début, ça peut paraître un peu difficile, c'est pas évident, on dit oui tous les jours, il faut du temps et tout, mais moi je sais que
J'ai toujours des livres d'ouvert. Je les lis pas comme des romans, mais bouquins, si ça peut t'intéresser, si ça peut t'aider. Je les lis en fait par chapitre souvent. C'est selon les informations que j'ai envie d'avoir, ce que j'ai envie de rechercher, ce qui correspond à mon humeur, ce qui correspond aussi à mes besoins, à mes envies, à ce que j'ai envie de savoir. Bref, j'en ai toujours plein d'ouverts. Quand je dis plein, c'est... je peux vraiment en avoir 6 ou 7 en fait de commencer. Je vais tous les finir, mais j'ai pas d'ordre, je les lis pas de A à Z, je m'astreins pas à les lire de A à Z si à un moment je tombe sur un chapitre, j'en ai pas besoin. Ce qu'il faut, c'est que je prenne une info dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que tous les jours, ben, je vais chercher une info dont j'ai besoin, je vais essayer d'apprendre quelque chose parce que c'est par toutes les connaissances que je vais emmagasiner que je vais réussir à avancer. Et c'est vraiment, en plus d'être encourageant, c'est enrichissant et ça vient vraiment nous rebooster tout le temps, en toute occasion. Donc voilà pour mes 4 petites règles d'or, mes 4 petits points clés, si on peut dire ça comme ça, pour ce qui est d'être, donner le meilleur de soi à ses enfants, d'être une super maman, un super papa, même si on sait au fond de nous que ça n'existe pas et qu'en plus cet idéal-là, on n'y tend pas nécessairement parce que, voilà, comme je l'ai dit au début, les petites imperfections, c'est bien aussi. Puis ça montre aussi à nos enfants que voilà, personne n'est parfait, qu'on peut faire des erreurs, mais surtout qu'on peut les réparer. Parce que bon, ce que je ne dis pas dans cette vidéo, mais qui paraît primordial quand on fait une erreur avec son enfant, et ce qui arrive régulièrement, moi aussi ça m'arrive, hein, je te rassure tout de suite, ben, je leur explique. Je leur dis que voilà, j'aurais peut-être pas dû faire ça à ce moment-là, mais que voilà, pour X raisons, j'ai agi ainsi. Mais que j'essaierai de travailler là-dessus et que je vais essayer de ne pas le refaire. Et voilà, je crois que c'est important que ce que l'on demande à nos enfants, bah, c'est important de se l'infliger, je veux dire, c'est pas le mot, mais de le faire soi-même en tout cas. Donc, et qu'ils le sachent aussi, qu'ils prennent conscience qu'on fait le même travail qu'eux, qu'on est égaux en fait, qu'on a des relations d'égal à égal. Je crois que c'est ça aussi qui booste nos enfants et qui leur donne confiance. Voilà, c'est dont je voulais te parler dans cette vidéo pour le principal. Et écoute, si tu nous rejoins par cette chaîne, tu peux t'abonner à Famille Épanouie. On parle beaucoup de parentalité, hein, énormément, beaucoup de ressources. Je peux être ta minute ressource par jour si tu veux. Alors, j'essaye vraiment de faire de plus en plus de vidéos, même si j'arrive pas à tenir le rythme de une par jour tous les jours, parce qu'il y a des jours où l'organisation fait que c'est compliqué. Mais voilà, vraiment, j'essaye d'en faire au maximum. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo. Il y a plein de parents qui ne connaissent pas la parentalité positive ou du moins qui en ont un œil un peu critique. Donc voilà, ça peut les intéresser, ça peut leur donner des pistes pour changer de façon de faire avec leurs enfants. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on ait à faire avec nos enfants. Donc voilà, je t'encourage vraiment à aimer, partager, t'abonner, nous rejoindre sur les réseaux sociaux parce que plus on a d'infos dans ce sens-là, et encore une fois, plus on arrive à changer, comme je l'ai dit, la source d'information, enfin s'informer en tout cas, c'est primordial. Donc on est aussi présent sur Facebook, sur Insta, sous le Famille Épanouie à chaque fois. Donc bah, rejoins-nous, fais partie de cette belle aventure que l'on partage depuis quasiment 3 ans et demi, 4 ans je crois à peu près. Donc voilà. Écoute, je te laisse, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Days last forever, never thought about the end. As long as we were together, we could make it through anything. Make it through. But I knew my heart's in trouble. You were always out the door. We set a spark in motion, could have been a flame. Light up the skyline, watch it fall away. Yeah, it could have been the real thing.